nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's pricey. I got wifey on bling and she icy. Freeze, photo, please, no photos. No, no. Jeez. No, 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 please, no photos. Hit the door and the doorman just whole team here, might need some. Still young, but I move like a veteran. New deal, tell my lawyer to send it in. If it down in my management, I'm just warming up a way to lie. Old producer saw the numbers one. Settlements. Different colors in my baggy light. Chalk it up, talk of the town where you're talking up. Wanna get you a ring and you tough enough. Wanna get you new things with your pockets dull. Run it up, I used to be quiet and out of luck. Now I move up and move humble cause the hate and the jealousy. My mama telling me, count up your blessings and run it up. Nowadays, nothing really is ice. Only one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him it's pricey. I got wifey on bling and she icy. Freeze, photo, please, no photos. No, no, jeez, no, 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 please, no photos. I keep giving game away, I put game on layaway. I got paid to play today, I get paid to stay away. I get paid on rainy days, I might make it rain today. I got paid off pain today, thought it'd take the pain away. In my own lane, finger roll. I would never sell my only soul. Heard your whole team was for sale. Heard it's on the market for the low. Who the realest, we might never know. All this acting, you gon' play a role. Give you the world when they sign you up. Dry you out and then they line you up. Ooh, now you're looking hungry, ribs are touching, need some food. Now you're all on live acting, surprised, but you was fooled. Boy, get out the way, it's been a day, now you're old news. Now you got the pen and pad, you're trying to take my moves. Nowadays, nothing really excites me. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's pricey. I got wifey on bling and she icy. Freeze, photo, please, no photos. No, no, jeez, no, 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 please, no photos. Nowadays, nothing really excites me. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's pricey. I got wifey on bling and she icy. Freeze, photo, please, no photos. No, no, jeez, no, no, no. Pour le petit couac, je vais modifier ça tout de suite. C'est quoi ce message qui s'affiche là? Привет, c'est Johanna Swan, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super super. Coucou Imen, toujours la première, coucou Elliot, coucou Christophe, coucou PSG Paris Saint-Germain, salut, coucou Igor et coucou le football à la veille. Bah, aujourd'hui ce sera pas PSG, désolé, hein, on va parler un petit peu équipe de France, pas les hommes ce sera demain, je fais un live demain, je vais mettre le lien du live de demain. Alors, je vais mettre le lien du live de demain, comme ça, et demain, on va parler justement des hommes. On va faire l'avant-match France-Pays de Galles, pardon. Donc du coup, ça va être fait. Mais comment allez-vous aujourd'hui? Alors, je vais mettre justement la liste, ça va diffuser, je vais peut-être l'agrandir un tout petit peu.
pour certains. Comme ça, vous allez le voir un petit peu plus grand. Voilà. Voilà. Un petit peu plus grand. Donc voilà, donc je vous ai mis justement la liste des joueuses qui ont été sélectionnées justement pour l'équipe de France féminine parce que le match ce sera le 10 juin prochain à Strasbourg face à l'Allemagne. Donc c'est un match très important puisque c'est quand même un match amical et il faut garder les joueuses en forme. Et je vais en fait revenir sur les filles qui n'ont pas été sélectionnées. Je fais juste une petite commande pour le prochain live. Comme ça. Vous connaissez l'actualité. Tact. Hop là. Donc, normalement, je fais next live. Point d'exclamation next live. Il devrait apparaître. Est-ce que le Nightbot il va bosser? Pourquoi ça marche pas? Oui, mais déjà le Nightbot il marche pas. Donc déjà je vais changer deux trois trucs. Ah si si bah du coup attends, je vais peut-être la changer. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Hop, je vais le modifier. Hop, en direct. Prochain live. Voilà. Je connais pas beaucoup le football féminin, si ce n'est pas Guingamp, mon club de cœur, mais bon, je vais quand même essayer de donner mon avis. C'est très mignon, le football à l'aveugle. Tu sais, moi, j'y connais rien au football féminin. Non, je connais deux, trois trucs, t'inquiète pas. En plus, ouais, c'est un live, j'avais pas du tout prévu. Que je fais comme ça un petit peu à l'arrache. Enfin, un petit peu à l'arrache, pas tant que ça. Du coup, je vais vous partager la liste. Je vais la mettre juste ici. Je vais la mettre là. Attends, non, je vais peut-être pas la mettre là. Je vais faire un autre truc, je vais la mettre ailleurs. Pourquoi ça me. Ah, c'est ma chaise. J'ai un truc noir. Il y a un truc noir. Je vais changer de scène, ça va être mieux. Hop. Tac, je vais changer de scène, ce sera un petit peu mieux. Hop. Je vais mettre là. Hop, comme ça on verra mieux la liste. Voilà. Donc ça, c'est la liste de Corinne Diacre. Vous n'êtes pas prête. Alors, la liste, les gardiennes, on a Solène Durand, on a Pauline Perromagnan, Constance Picot. Donc ça, ce sont les trois gardiennes. J'ai pas trop d'avis là-dessus. On va dire que surtout qu'on a eu des déclarations de Sarah qui Boily, qui disait que qui prenait sa retraite. Puis en plus, elle va direction les États-Unis alors elle règne. Les défenseuses, il y a Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Perle Moreni, parisienne, Eve Périsset, ancienne parisienne, elle est à Bordeaux, Wendy Renard, lyonnaise, Marion Torrent, sans commentaire, je l'aime pas trop, ça se voit. Enfin, non, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je la trouve pas assez performante, bon, c'est juste mon avis. Aïssata Tunkara, milieu de terrain, on a Kenza Dali, Grace Gaïro, parisienne, Léa Khelaifi, Amel Majri, la lyonnaise, Ella Palisse et Sandy Toletti, qui a été préférée. Un bruit. Voilà. Okay, oui, on reviendra là-dessus. Ensuite, au niveau des attaquantes, on a Vivienne.
ACI, qui avait déjà joué, je crois qu'elle avait marqué un penalty contre les Américaines. On avait vu le match ensemble. Enfin, vous avez subi le match avec moi. C'est plutôt ça. Kessia Bussi, Delphine Cascarino, forcément la Lyonnaise, Khadija Touviani, forcément la Parisienne, Valérie Gauvin, sans commentaire, je rigole, Valérie Gauvin, Marie-Antoinette Catoto, la Parisienne, et Clara Matteo. Les petites surprises positives, c'est que j'avais, bon, Ziani revient de blessure, j'avais des doutes par rapport à Marie-Antoinette qui n'a pas joué son dernier match parce qu'elle ne le sentait pas vraiment. Face aux Lyonnais, c'était un match très important, donc si elle n'a pas joué, c'est qu'elle ne se sentait vraiment pas en forme. Donc j'étais quand même agréablement surprise de les voir. Est-ce que tu peux donner la liste vocalement parce que comme mon pseudo l'indique, je suis aveugle. Écoute, le football à l'aveugle. tu sais, c'est très bien que tu me le dises parce que c'est pratique en fait d'avoir quelqu'un qui le dise et je me sens pas bête quand je dis les trucs oralement parce que je dis YouTube et à la fois pour les gens qui regardent et qui écoutent. Donc voilà. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à réécrire. Salut Jeff, comment vas-tu? Est-ce que tu es content de cette liste féminine? Demain on fera l'avant-match France-Pays de Galles, hein, pour les hommes, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié les hommes non plus. Donc du coup, ça c'est la liste de Corinne Diarrhet, notre super sélectionneuse. Et il n'y a pas des choses qui vous chagrinent, rien du tout, des joueuses que vous attendez à ce que soit là. Eugénie Le Sommer, on sait parce qu'elle est en direction aussi des États-Unis et qu'elle n'est pas en forme. Il y a trois personnes que j'ai mis dans le titre, c'est Amandine Henry également et Sandy Baltimore qui ne sont pas là. Donc, je vais d'abord revenir sur les nanas qui ne sont pas là quand même. Puis après, on va venir sur les nanas qui sont là. Vous le sentez comment? Alors, pour les nanas qui ne sont pas là, Amandine Henry, parce que peut-être, il y a eu déjà eu des soucis dans le passé. Il y a eu des vidéos qui sont sorties par rapport aux affaires, etc. Est-ce qu'elle a encore un petit peu de rancune ou c'est parce que c'est un problème de performance? Après, moi, je l'ai vu jouer face à Paris. Elle n'a pas fait un match extraordinaire, mais elle n'était pas non plus... Elle n'était pas non plus nulle, quoi. Donc, c'est quand même un message fort, c'est que tu convoques pas ta capitaine. Donc, pourquoi tu convoques pas ta capitaine? C'est les questions que je me pose. Est-ce que vous répondez dans le chat, oui ou non? Sachant que Corinne Diacre elle s'est déplacée à Lyon pour voir le match. Elle a vu des matchs des demi-finales de Ligue des Champions, donc elle a quand même un visu en direct des joueuses. Elle est avec son petit cahier pour prendre des notes. Donc, est-ce que selon vous, tapez 1 si vous pensez qu'Amandine Henry est sur une baisse de régime, ou tapez 2 si vous pensez qu'elle ne l'est pas et que c'est encore un souci de Corinne. Voilà. Beaucoup de cadres qui ne sont pas là. Henri qui dit, le football à l'aveugle qui dit beaucoup de cadres qui ne sont pas là. Le Sommer voit dit en plus l'absence de Baltimore dont j'entends beaucoup parler. Elle me semble mitigée cette liste. Ah, tu me fais plaisir. Donc Igor il dit 1. D'accord. Donc, ok, je prends note. Il tape 1. Péker, 22, il tape 2. Péker, 22, tape 2. Comme une partie de son pseudo l'indique. Après, pour Amandine Henry, vous savez qu'elle n'a déjà pas été sectionnée, qu'elle a eu un coup de fil rapide et qu'elle était en forme et que ça avait beaucoup jasé et qu'il y a eu... et qu'il y avait eu une vidéo qui était sortie. Entre-temps, elle avait été appelée. Et là, elle n'appelle pas. Peut-être qu'elle l'a joué un petit peu fine en disant, bon, suite à ça, je la convoque, je ne la convoquerai pas plus tard. Après,
c'est important. Elle s'est défendue dans ses choix en disant que tout peut changer, comme des personnes qui sont convoquées et des personnes qui ne sont pas convoquées. Je suis désolée, j'ai un problème avec le live, donc j'espère que vous êtes toujours là. Soi-disant un problème d'internet, je supporte pas ça. Je suis sur une version bêta aussi, donc du coup, je peux avoir plus de problèmes techniques. Et là, il me dit soi-disant il y a un problème de réseau. Ouais. Alors, je sais pas si vous êtes toujours là. Est-ce que non, attends, je vais vérifier. À un moment, je suis bien live. Donc, moi, ce qui me pose un souci, c'est qu'elle a que 31 ans. J'ai 15 ans, mais personnellement, j'ai jamais vraiment beaucoup aimé Corinne Diacre. Suis un peu d'accord avec toi. Ah, tu digères pas la victoire de Chelsea, même, je comprends. Igor qui dit à l'image de cette saison, il y a une baisse de régime de l'OL, c'est vrai, tout à fait. C'est pas la meilleure saison de l'OL, c'est pour ça qu'il y a eu un changement de coach il y a un an. Mais cool, vous êtes là. C'est cool. Donc il y a PKR22 qui est d'accord avec toi, le football à l'aveugle. Moi, je pense que elle n'est pas à son prime. Mais elle n'est pas non plus dégueulasse, en fait, Amandine Henry. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu. Je comprends pas pourquoi elle n'a pas été sélectionnée, surtout que c'est la capitaine. Donc, c'est surtout un symbole que tu fais passer en disant hey, on ne te convoque pas. Elle a quand même 93 sélections, elle a marqué 13 buts, elle a fait les U17, les U19, les U20, c'est pas n'importe qui. Elle a joué dans pas mal de clubs français, à Lyon. Puis elle est passée au Paris Saint-Germain, puis elle est retournée à Lyon. Elle n'a pas non plus un parcours qui est dégueulasse en tant que joueuse. Mais bon, après, voilà, c'est Corinne Diacre. Et vous savez que je ne suis pas une grande fan de Corinne Diacre. Mais bon, ça, c'est juste mon choix perso. Continuons sur les noms, non présents. Il y a Sandy Baltimore. Alors, Sandy Baltimore, beaucoup ne comprennent pas. C'est quand même une pépite. Elle a été nominée comme espoir féminin, en fait, de la D1, qui est la division première féminine. En fait, sa non-nomination, en fait, c'est un accord commun avec le club, qui elle a décidé de le laisser au club et donner du temps parce que c'est pour des raisons d'études. C'est ce que dit madame. Après, reste à vérifier, mais Corinne s'est expliquée. Surtout que la conférence de presse qui devait être en ligne ne l'est plus, donc je vais avoir des briefs partout. Elle a été mise en privé, en fait. Ils l'ont annoncé, puis ils l'ont mis en privé, donc moi, ça m'a un petit peu agacée. Ah, Baltimore, elle te fait penser à Chakri la game. Corinne n'a que très peu de popularité, dit Igor, c'est à elle de montrer qu'on a tort. Tout à fait. Le football à veille, moi d'après ce que j'ai su, c'était justement une déclaration de Henri qui a mis le feu aux poudres. En fait, c'est un peu comme l'histoire Benzema, mais en moins violent quand même. Ah, il y a pas, y a peut-être un cas de Benzema bis, attention. Il n'y a plus le Sommer et Henry en équipe de France. Ouais, mais le Sommer, elle est un petit peu beaucoup blessée. Et puis, elle va à Laurel Rain, elle va vers les États-Unis. Donc, c'est pour ça. C'est ce qu'on dit, en fait. C'est ce qui justifie. Il y a la Game Sapas qui dit Diac démission, même Weshden ferait mieux en sélectionneuse. Allez, c'est pas un grand compliment, hein, c'est pas un grand compliment. Après, Sandy, c'est pour des raisons, bien sûr, des études, qu'elle veut laisser le temps pour qu'elle passe ses examens, etc. Soit, mais voilà, qu'on me dise que ce soit pas autre, en fait. Mais voilà, t'as raison, le football, c'est à l'aveugle. Il dit pour moi qu'elle aille aux États-Unis, ça veut rien dire en soi, parce qu'à ce moment-là, on ne sélectionne plus Mathieu en équipe de France. Bah oui, Mathieu n'est plus sélectionné en équipe de France masculine. Et ça commence à m'énerver. Igor, il est tout content, il rigole.
En tout cas, merci d'être là parce que je n'avais pas du tout prévu de faire le live. Je l'ai fait à l'arrache comme ça. Enfin, j'ai pas fait à l'arrache. J'ai quand même un petit peu préparé. Mais voilà, j'ai pas du tout mis en avant le live. J'ai pas du tout fait la promo du live. Hein. J'ai juste fait un live comme ça. Je l'ai dit, je l'ai programmé il y a une heure. Et on dit, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, il y a la troisième personne qui pose beaucoup de soucis, c'est Kera Amraoui. Ouh, mince, le i il a disparu. Ah, le i il a disparu. Bon, bref, elle a fait un tweet. Alors, Perle, elle est claquée au sol au PSG et en plus, elle est sectionnée. Moi, je la trouve, elle n'est pas exceptionnelle, hein, mais elle est pas mal. Maëva Clémaron, attends, je vais taper son nom parce que là, ça me dit rien. Parce que moi, je les connais en de visu. Ah ouais, sa tête, elle me dit quelque chose. Mais elle a quel âge? Elle est née en 92. Mais elle joue plus depuis longtemps. Elle a fait que 6 sélections en équipe de France. Elle date de quand, sa dernière sélection? Elle a un contrat de 2 ans. Bah, tu vois, on l'entend plus trop au bataillon, tu vois. Elle est Everton Lady, elle est française, elle a 28 ans. Ah ouais, elle est passée à Lyon en senior. Ah ouais, mais elle était à Fleury 80. Ouais, pour ça que je... Fleury, je suis pas trop. Puis elle est passée à Everton. C'est pour ça que je l'ai pas dans mon radar. Si, pour ça... elle est à Barça. Elle est à Barça. Elle dit, tu me manques tant. Équipe de France... Qu'aurais-je pu faire de plus pour te retrouver? Donc, ce n'est pas la photo qu'elle avait utilisée sur Twitter parce qu'elle a fait un petit tweet suite à sa non-sélection. Elle avait pris une photo d'elle avec le maillot de l'équipe de France en train de jouer parce qu'elle n'a plus joué en équipe de France depuis avril 2019. Et la nana, en fait, elle a tout remporté avec son équipe. Et quand les journalistes ont demandé à Corinne Diacre, mais pourquoi Kara ne joue pas? Et elle dit, il ne suffit pas de remporter des trophées pour être sélectionnée. Ok. Parce que sinon, tu n'aurais pas grand monde dans ton équipe. Mais du coup, c'est quoi tes critères? Parce que ça fait un moment que tu ne l'appelles pas, la Miss. Elle joue bien, c'est une Française qui est vue dans un championnat étranger. A-t-on du mal à prendre des joueuses qui jouent dans des championnats étrangers, en fait? Est-ce qu'il y a une certaine jalousie pour les Françaises qui jouent justement à l'étranger? C'est ce que je me pose. Parce que la plupart des joueuses, la totalité des joueuses, elles viennent de Lyon. Donc, c'est des joueuses qui jouent justement en France. Donc, si on regarde... Je reviens sur mes beans. Si on regarde la liste du 1er juin, la plupart jouent en France. Mais... Pardon. Solène Durand, elle joue à Guingamp. Ok, ça c'est français. Pauline Perraud-Magnan joue à l'Atlético de Madrid. Ça l'a pas trop dérangé. Constance Picot, elle joue au Havre. Elisa de Almeida, elle joue à Montpellier. Sakina Karchoui joue à Lyon. Donc, on a pu la voir justement ce week-end dans le match que j'ai commenté. La vidéo est toujours dispo sur YouTube. Perle Morini en défense, elle joue au Paris Saint-Germain. F. Périsset, ancienne parisienne, joue au Girondin de Bordeaux. Wendy Renard, Olympique Lyonnais. Marion Thorin, Montpellier. Tunkara, elle joue à l'Atlético de Madrid. Donc on a déjà deux de l'Atlético de Madrid. Kenza Dali, elle joue à West Ham United. Donc, on a un club anglais. Valérie Gauvin, deuxième club anglais. Donc, c'est Everton, mais elle est attaquante. Donc, on a deux clubs anglais. Grace Cairo, en milieu, il y a Paris Saint-Germain. Léa Kelifi, Dijon. Amel Lamagerie, Lyonnais. Encore français. Ella Palisse, Girondin de Bordeaux, français. Sandy Toletti,
Sandy Toletti, qui est dans le championnat espagnol, donc c'est un championnat qu'elle suit. Elle n'a pris personne à Barça. De toute façon, il n'y a qu'une joueuse à Barça qu'elle peut vraiment prendre. C'est Levante. Elle joue à Levante. Je suis désolée, mais Barça est en meilleure posture que Levante. On est tout à fait d'accord. Vivienne Asseyi, qui avait marqué le penalty, elle est au Bayern de Munich. Après, on a Bussi qui est à Reims. On a Cascarino qui est à Lyon. On a Diani qui est au Paris Saint-Germain. J'avais déjà dit Covin. Il y a Katoto qui est au Paris Saint-Germain. Et il y a Clara Matteo qui est au Paris FC. Donc, moi, ce que je vois surtout, c'est que Solène Durand, elle a qu'une seule sélection. Donc, c'est déjà... Et Constance Picot, c'est sa première sélection. Donc, elle fait vraiment des choix assez drastiques chez les gardiens. Wendy Renard, elle en a 124. C'est celle qui a le plus de sélections. C'est la doyenne. Et elle, tu te dis... Elle devrait avoir le brassard de capitaine, mais ça risque de tomber sur Marion Torrent. Va savoir ce qu'elle lui trouve. Mais bon, ça, c'est juste mon avis. Torrent, elle a 29 ans. En termes des âges, dans les plus âgés, quand je vous parlais justement d'Amandine Henry et d'Amoury, qui ont 31 ans, il y a quand même Wendy Renard qui a 30 ans, c'est quand même proche. Pauline, elle a 29 ans, donc tu prends des gens qu'avec de l'expérience. Asseyi, elle a 27 ans. Dans les plus jeunes, tu as Bussi qui a 19 ans. Ensuite, tu as beaucoup de 22 ans, 23 ans, 24 ans. 26 ans, c'est vraiment la... Et un petit amas de 29 ans, tu prends des jeunes, mais tu prends des moins jeunes aussi. Donc moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le choix de Corinne Diacre. Hein. Elle en a pris des nouvelles. Il y en a qui étaient pris à la dernière sélection qui ne sont pas là, certes. Mais bon. Voilà. Dans celles qui ont été appelées récemment et qu'on voit plus, c'est Estelle Cascarino. Elle a été appelée justement contre les États-Unis le 13 avril dernier, qui est pas là. Mais après, on sait que c'est parce qu'il y avait beaucoup de joueuses de Lyon qui étaient covidées. Il y a Ophélie qui dit hello, coucou, comment ça va? Fais-le, s'il te plaît. Ah bah, Eden, si tu veux désabonner. Mais désabonne-toi. Tu dis, oui, tu vas quitter, désabonne-toi. Mais vas-y, on t'encourage. Moi, je retiens pas les gens. Ah oui, bah si tu veux désabonner, désabonne-toi, tu sais. Hein, Aiden, si tu t'es désabonné parce qu'elle parle de football féminin, honte à toi. Surtout que je parle beaucoup, beaucoup de football masculin sur cette chaîne. Ah bon, bah écoute. C'est malaisant sa sortie à Kaira, tu vois. Bah moi, je trouve qu'elle a un bon jeu. Je l'ai vu face au Paris Saint-Germain, au Barça, donc c'est mon avis. Hein. Sabrina absente car elle regarde la Pologne jouer. Je sais pas, peut-être que Sabrina elle est pas au courant qu'il y a un live aussi. Hein. C'est pour ça, ça doit être ça. Parce que j'ai fait le live à l'arrache. Ouh là là. Donc du coup, dans celles qui ont été récemment appelées qu'on voit pas, il y a Océane Deslandes. Il y a Grace Casady, Julie Thibault, je parle de celles qui étaient là contre les États-Unis, Oriane Jean-François, Inès Joroma, Sandy Baltimore, je l'ai déjà dit, Louise Fleury, Eugénie Le Sommer, parce qu'elle est blessée. Julie Thibault est blessée aussi, mais bon, je pense pas qu'elle ait été appelée. Mylène Chavas, c'était en février 2021. Charlotte Bibot, fils en février, qui est blessée. En février 2021. Melvin Mallard, elle n'a pas été sélectionnée depuis le février 2021. Et puis après, de l'année dernière, on a,
On en a beaucoup d'autres comme Amandine Henry. Voilà. On ne l'a pas vue depuis décembre 2020. Mais après, on sait qu'elle n'est pas venue après dans la dernière sélection face à la Suisse et les États-Unis. C'est parce qu'il y avait les cas Covid. Oui, il y avait Maëva Clémaron, en fait. J'avais même pas fait gaffe. Il y avait Maëva Clémaron. Romain Munich, Émilie Laurent, qui n'étaient pas là. Donc, c'est un petit peu, voilà, je regarde vite fait les infos. C'est un petit peu les filles qui n'ont pas été qui étaient appelées. Mais bon, c'est Corinne qui décide. Hein. Coucou Nordine, j'espère que tu vas bien. Il y a le football à la voix qui dit « Franchement, je sais que si j'étais coach d'un club, je ne prendrais pas en compte les déclarations de mes joueurs. Ce qui compte pour moi, c'est ce qu'ils ont fait sur le terrain. » Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, à partir du moment qu'elles ne sont pas irrespectueuses dans leurs déclarations, elles n'ont pas insulté le club, ni quoi que ce soit. Ah, Nordine, il est content. Igor, c'est le natif. Pour information, j'avais décidé de faire le live, vous savez, le AV avant-après Qatar, les différences, les plus mauvaises, les plus mauvais choix du club, en fait. Les vraiment choix qui ont marqué le club de manière négative, il y a tellement à faire. Je ferai le live, je sais pas si c'était dispo. Igor, ce serait cool que tu sois là. Je vais faire le live le 11. Je devais faire le 11 et le 12. Et je peux pas. Je peux pas faire le 11 et le 12. Empêchement perso. Parce que le 12, je risquais d'être, d'être pompette. Et je peux pas faire de live pompette. J'en serais bien plus que pompette. De toute façon, je me connais bien. Donc du coup, je fais tout le 11. Et donc du coup, je les enchaîne. Donc j'ai mis les deux créneaux le 11. Donc ce sera dans la lancée. J'espère qu'on va pas faire une nuit blanche. parce qu'on est bien parti pour la nuit blanche. Et donc ça va permettre de faire le bilan sur le PSG avant Qatar et après Qatar, sur les plus mauvaises opérations, sur ce qui nous a pas plu, ce qui nous a marqué. Coucou le beau fixe, j'espère que tu vas bien. Tu arrives au beau moment où j'écris à Moiri comme une éclatée. Donc voilà. Moi j'ai fait le tour. J'ai fait le tour un petit peu. Je vous ai donné la liste, elle est en bas. Elle a préféré. Enfin, quand je dis elle, hein, je parle bien de Corinne Thiacre. Tout simplement, elle a préféré Sandy Toletti à moi. Oui, Sandré Toletti, c'est quand même. 15 sélections en équipe de France, je m'ai marqué, première sélection c'est en 2013, donc ça date un petit peu, moi après elle a 25 ans, donc ça c'est le choix du coach, donc ça c'est ce qu'elle, elle a dit qu'elle a préféré prendre ce profil-là, tandis que Kéra Amori est sélectionnée depuis 2012, c'est 36 sélections, et c'est 3 buts. Voilà. Et puis, elle a quand même un beau parcours. Elle a joué au Paris Saint-Germain. Elle a joué à Lyon. Et maintenant, elle joue au Barça. Rajoute une touche de Le Gray. Et peut-être qu'il ferait un beau couple, hein, les deux. Je sais pas. Tu penses qu'il ferait un beau couple ou pas? J'imagine la dinguerie totale. J'imagine vraiment. Ah, est-ce que vous avez des questions et autres? Je vous remercie. Je ne remercierai jamais assez mes modérateurs qui font un taf de malade mental. Voilà, qui sont toujours présents sur mes lives. Je les remercie. Et qui fait en sorte que les lives se passent bien. Il y a Football à la veille qui dit bonjour, monsieur le professeur. Je pense qu'elle est pire. Ah ouais, je pense qu'elle est pire que Rudy Garcia, mais je sais pas que je pense qu'elle est là. Hé, coucou Sabrina. Elle n'est pas contente. Sabrina n'est pas contente.
Sabrina, elle est pas contente. Tu sais ce qu'il a dit, Igor? Il a dit que t'étais pas là parce que t'es en train de regarder, ton équipe qui joue. Donc c'est pour ça qu'on t'a pas vu. Mais Sabrina est toujours là. Attends, qui aime... Non. S'il y a quelqu'un dans le chat qui aime Diacre, Corinne Diacre, qui se manifeste ou qui se taise à jamais. C'est un peu solennel, non? C'est pas un petit peu beaucoup solennel, la phrase que j'ai dite. Mais en fait, moi non plus, j'étais pas au courant. J'ai décidé il y a une heure de faire un live. J'ai fait la vignette. Parce qu'il y avait, Et puis moi, j'étais dans... Moi, j'ai fini de bosser vers 19h, je sais pas combien. J'étais dans le jeu. Et après, vers 20h, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un live. Voilà. Mais t'inquiète pas, Sabrina, demain, il y a un live. C'est pas grave, le 1. Hein. Quelle équipe. Eh ben, la Pola... Attendez... Sabrina, elle regarde pas les matchs. Elle ne suit pas les matchs. Elle. Ah, tu bossais. Parce que Pologne. Mais c'est la mi-temps. Pologne-Russie. Moi, mon fils. Attendez, on va regarder ça. Ouais, franchement, je suis désolée, mais je suis obligée d'être pour la Russie. 1 à 1. Attendez, moi, je suis obligée d'être pour la Russie. C'est obligé, vous me connaissez. Faut que je me respecte. Est-ce que c'est sur la bonne télé déjà? Voilà, c'est sur la bonne télé. Il faut que, j'allume la box aussi. Attends, il faut déjà que j'allume la télé et après il faut que j'allume la box. C'est un truc de ouf. Non, mais là, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, un partout. Ouais. De toute façon, moi, je suis toujours pour la revision. Elle a même pas fait attention, Sabrina. Alors, Sabrina qui dit coucou à Ophélie. Très belle épique, mais si franchement leur effectif total me fait peur pour la Coupe d'Europe, il y a un bon joueur par ligne. Elle avait même pas attention. Et en fait. Mais oui, on est en guerre. En fait, moi, je suis. Je suis obligée d'être pour la Russie, en fait. Déjà, quand je dis bonjour, pour ceux qui ne le savent pas, quand je dis privet, c'est du russe qui veut dire salut, en fait. Je vous salue tous les jours en russe. La Russie, elle joue. C'est bon. En fait, ça, c'est ma télécommande. Je ne sais pas où je l'ai mise. Elle doit être derrière et j'ai la flemme d'y aller. Donc, du coup, j'utilise l'application mon téléphone pour la télécommande. C'est hyper pratique. C'est sur quelle chaîne? Déjà. Je vais regarder c'est sur quelle chaîne. Non. Pas W8, même pas. Est-ce que déjà, il le diffuse le match? Ah, il y a mon ballet préféré. Il y a le lac des cygnes en plus. Oh, c'est Johanna Swan. Swan, si, ça vient de là, mon pseudo. Non, vous connaissez tout de moi. Il est où le match? Un match de préparation à l'Euro. Yes, ça y est. C'est sur l'équipe. Les joueurs entrent sur la piste. Elle comptait pas sur moi pour commenter le match. Parce qu'on n'est pas dans la galère. Moi, je vais vous dire, numéro 5 qui passe à bas à numéro 10. J'ai même pas la compo ni rien. Bon, je vais regarder la compo. En plus, c'est pas des noms simples. Hein. C'est pas... Alors, pour les infos du match, c'est 60% de possession pour la Russie contre 40% pour justement
La Pologne, ça c'est pour Sabrina. 39 attaques pour la Pologne contre 45 pour la Russie. 15 attaques dangereuses pour la Pologne contre 18 pour la Russie. 5 coups francs pour la Pologne contre 7 pour la Russie. 1 coup de pied arrêté pour la Pologne contre 4 coups de pied arrêtés pour la Russie. Donc un but de chaque côté. 1 tir cadré pour la Pologne. Donc il n'y a pas eu de tir cadré justement pour la Russie. Des tirs non cadrés, il y en a eu un de chaque côté. Des tirs arrêtés, il y en a eu deux côté la Russie. Le match vient de reprendre pour la Pologne face à la Russie au moment où je vous parle. Il y a eu 13 touches pour la Pologne contre 11 touches pour la Russie. Un corner seulement et c'était pour la Russie. 7 fautes côté de la Pologne contre 5 fautes pour la Russie. Et bien sûr, il y a eu un seul carton jaune dans le match et c'était pour la Russie. Et le joueur qui s'est pris un carton jaune, c'est Semenov. Voilà un petit peu tout ce qui se passe. Il y a eu un premier but côté de la Pologne dès la 4e minute de alors là, je dis Sierskov. Et il y en a eu un premier but, le premier but justement de la Russie, c'est à la 20e minute de Karavaev. Voilà. C'est voilà un petit peu les informations du match. Moi, franchement, je vois la compo. Mais ouais, attends, je vais zoomer parce que je vois hyper mal quand je vois les joueurs de la Pologne. Fabianski, Puchax, Elik, Piatkowski. Vous imaginez, pour les commenter, je ne vous dis pas le carnage. Hein. Kedziora, Klitsch, Frankowski, Krikoviak. Est-ce que c'est Krikoviak que je... Est-ce que c'est Krikoviak qui Krikoviak ? Je ne sais pas. Si c'est Krikoviak que je crains, au secours. Sierkox, Swiderski, qui sont titulaires. Les remplaçants sont... je suis désolée hein, si j'écorche les noms. Zesensny, Chorobski, Glik, Berezinski, Pednarek, Placheta, Jokziak, Moder, Kozlowski, Linetti et Lewandowski. Là, ça, c'était plus facile pour Lewandowski. Sinon, côté russe, on a Chunin, Karaviev, Jeskia, Kudryazov, Zemenov, Zomnin, Kuziev, Ozdev, Mirovchuk, Kolovin et Dzyuba. Ça, c'est côté russe pour les titulaires, les remplaçants. Savanov, Diopin, Diviv, Barinov, Lonov, Makarov, Zirkov, Mosovoy, Mukin, Zemaltinov, Zobelov et Lotny. Pardon. voilà un petit peu pour la liste. Alors, j'ai vos messages. Ouais, on est en guerre, hein. Toujours en guerre. Ouais, t'es plus sur l'équipe de France de demain. Dazroviet. Bah, franchement, faut que. Hey, il a fait des dingueries aujourd'hui encore. Et il a trop kiffé d'être dehors. Il est dehors toute la journée. Tu regardes sur Direct Sport TV, ok. Lewandowski. Non, il est remplaçant. Il est sur le banc des remplaçants. Tu connais parfaitement le 10. Krikoviak. Non mais hey, moi je suis traumatisée. Est-ce que c'est celui-là? Je savais pas qu'il jouait tout le temps. Qu'il joue encore lui. Je sais pas, c'est peut-être son frère. Quand j'ai regardé avec les numéros parce que je l'ai pas sur mon site.
Je vais regarder de mon téléphone si je vais avoir les numéros. Pollen Russie, il me donne les compositions avec le numéro. Ouais, Krikoviak, c'est le numéro 10. Tête d'escroc, va. Une vraie tête d'escroc. Et ouais, Lewandowski. Eh, Lewandowski, il a le numéro 9, il joue même pas. C'est un truc de dingue. Ouais, non, mais. C'est un truc de ouf. Bon, je vais pas commenter le match, mais c'est important de regarder. Est-ce que tu réponds aux MP vocales sur Instagram? Alors, MP vocal, je peux répondre. Si tu m'envoies un vocal, je peux répondre. Mais si tu m'appelles, je réponds pas. Ça, c'est clair. Krikoviak, on a failli mourir avec lui. Info transfert sur présentiel au Real de Madrid. Oui, Michel! Ma belle, désolée. Ouais, Michel, j'ai entendu parler justement de cette information. Donc, Pochettino, s'il se plaignait au Paris Saint-Germain pour essayer d'aller un petit peu côté Madrid, ça ne marchera pas. Donc, est-ce qu'il va quitter le Paris Saint-Germain pour retourner à Tottenham? Je ne sais pas. Oh, câlin pour le chat. Oui, c'était tout à l'heure un moment. Oh, oui, là. Niki! Et en plus, hey, j'ai un nouveau short du Paris Saint-Germain, je suis trop contente. Je l'ai reçu tout à l'heure avec le maillot de l'équipe de France. Petite commande chez Nike. Ouh, je sens mon bébé qui est là. Mon bébé qui est là. Cool, il est là. Puis c'est le bébé, ça mange. Attends. Oh, hop là. Ouh, t'es lourd. Oh, t'es lourd. Eh, Niki, on se calme. Mais c'est pas possible. Comment tu m'as attrapé le doigt? C'est bon? T'arrêtes? Mais non. Si pour me manger le doigt, c'est pas la peine. Non, eh, Niki. Non. Je mets des poils partout. Tu descends? Ah si, tu vas descendre. Allez, joujou. Bah oui. Ah bah non, bah tu t'allonges sur le bureau. Ouais, je suis pour... Ouais, oh. Ancelotti, il va au Real. Ah! J'ai une frappe à 10 km au-dessus. Aïe. En plus, ils jouent avec les mêmes couleurs. Enfin, tous les deux équipes, ils jouent en blanc et en rouge. C'est leur couleur à eux. N'oubliez pas de liker les petits monstres. Merci. Un transfert pas mal pour PSG, Théo Hernandez, ça serait pas mal. Bah, apparemment, c'est en cours, hein, tu vois. Ça pourrait le faire. Moi, je suis pour. Hein, de toute façon, moi. Attendez, il y a une action polonaise. Non, entrez. Ça revient sur Krikoviak. En fait, je regarde Krikoviak vite fait parce que. Je veux voir si le jeu de Krikoviak s'est amélioré depuis le Paris Saint-Germain ou pas, tu vois. Ah, attention, je regarde le jeu. Eh, le terrain, il est pas ouf, hein. Non, mais ils se font des... Non, mais franchement, les Polonais, ils jouent pas ouf, hein, sur le match. Hein. Ah, il y a une vilaine faute, c'est vrai. Un jaune. merci. Bien sûr que c'est le meilleur Polonais jamais venu au Paris Saint-Germain. qui a fait des dingueries. Je peux pas être vénère contre vous, impossible. Vous êtes trop mes chouchous. Mais faut la prévenir, je suis modo, hein, quand même. Tu veux que je t'envoie un mail?
Mais vous recevez pas des alertes et tout quand vous êtes abonné aussi? C'est ça que je comprends pas. Hey, j'ai fait l'effort! J'ai fait l'effort! Ah bah, et lui, il aime jouer dans l'herbe. Il court après tous les insectes, il est bien. Mais t'as vu? T'as vu ça? Et on se fait dépouiller par l'OL. Je suis dégoûtée. Elle est en fin de contrat. J'ai dit, il faut bosser. Mon live, il a commencé vers 21h. Il devait commencer vers 21h. Je l'ai commencé en retard. Je l'ai commencé vers 21h10, un truc comme ça. Avec la musique, tout ça et tout. Ouh! Ouh là là! Ils sont chauds. Les Polonais, ils sont chauds. Hein. Ah bon, Mourinho aussi? C'est pas vrai. T'as envie de dire tant mieux. Mourinho aussi. Parce que elle, c'était pas sûr encore. Ben oui, tu vois, je suis d'accord avec toi, Sabrina. Peut-être qu'ils laissent se reposer, mais quoi, le Bayern, ils ont pas joué quand la dernière fois? Niki. Mais ouais, mais en fait, ça fait pas mal. Quand il mordit comme ça, les doigts, en fait, je sais pas, il a une façon de... ça fait pas mal. C'est pas genre, il est comme s'il mangeait. Vous inquiétez pas, il y a une différence. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est ses griffes. Bah là, vous voyez, j'ai des griffes, là. J'ai des morsures, en fait. C'est que quand il me mordit, en fait, ses griffes... Ah oui, je te vois faire tes bêtises. Oui, je t'ai vu faire tes bêtises. C'est qu'il prend ses griffes comme ça, et en fait, c'est pour m'empêcher de bouger le bras pour avoir un accès tranquille à mes doigts, en fait. Ouais, c'est un chat-chien, lui, c'est un ouf. Si Ancelotti n'a pas plus de moyens que Zizou, il se passera rien au Real. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y en a un, peut-être il regarde le match, non? Ah, peut-être. Qui a V9? Ah, ok, mince. Viva Polonia! Privet! Viva Russia! Russia! Ah là là, attention. Non, mais le match, il a l'air. Moi, je vais regarder le match, hein, je vous dis ça tout de suite. Je vais envoyer les matchs parce que j'ai des amis russes. Donc, je vais les soutenir. Donc, c'est normal. Aïe, attends. Ah, mais mince, mais c'est quoi ça? Non, mais je sais pas, tu fais une accélération et tu tombes. Tu essaies de faire un compte, tu fais une accélération et tu tombes. C'est quoi ces joueurs? Moi, par contre, je vous dis, je connais pas les joueurs polonais, russes, me demandez pas. Enfin, moi, j'aime bien la Russie, donc forcément, quand la Russie va jouer, j'ai supporté la Russie avec mon petit drapeau. J'ai un drapeau russe hein, chez moi, qui en évidence, c'est sur mon frigo. C'est un cadeau d'une famille russe que j'avais rencontrée à Zerlinsk. Ils étaient super sympas. Ils m'ont dit, tu reviens quand tu veux. Tu vas pas à l'hôtel, tu vas chez nous. Ils m'ont invité à boire de l'eau. Ah, les Russes, ça va beaucoup d'eau. Le football qui dit eux. Ah là là. Mais en tout cas, franchement, le match, je vous conseille de le regarder sur l'équipe. Pour une fois qu'il y a des matchs en clair, ça fait plaisir. Arasho. Igor qui dit Arasho. Non, moi, le russe, c'est tout le monde à la... Donc, on va peut-être parler un petit peu des villes. Donc, je vous ai expliqué, il y a eu tout simplement la liste qui a été donnée. Voilà, je vous ai expliqué mes points de désaccord. Après, elle est sélectionneuse, elle fait ce qu'elle veut, elle convoque ses joueurs. Sabrina, c'est pour toi, c'est le lien du prochain live. Voilà. Moi, j'ai le drapeau français et quand je le mate à l'horizontale, il fait aussi russe. Bah en fait, moi j'ai le bracelet, je peux changer pour la Russie quand je veux. Bah, ah, Sabrina a que le drapeau français, ok. Bien. Moi je ne l'ai pas acheté. Hein. D'ailleurs, je vais devoir vous laisser aussi parce que j'ai des vidéos à sortir.
pour ma chaîne française. Je vais peut-être faire un live, je sais pas, bientôt sur ma chaîne, pas française, oula, ma chaîne voyage, je vais peut-être faire un live bientôt, là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live sur ma chaîne Joanna Swan Travel. Et donc, du coup, ce serait plutôt pas mal, mais là, il faut que je sorte mes petites vidéos. Donc, je remercie encore mes modérateurs, surtout par rapport à dimanche. Merci à vous d'avoir été là. Par rapport à la petite attaque de troll, mais voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et c'est comme c'est dans ces moments-là, on est content d'avoir des stupides. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll. Peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what, add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what, add it up, told it if it's all me, everything is on me, gon' back it up, matter what, told you I'ma do me, why you hating on me, it's not adding up. Ouais, je me suis occupé de la parole. Véronique Eloquet, Corinne Diacre. Ouais, c'est la sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Elle joue le 10 juin. 10 juin, j'allais dire, je suis trompée de moi. I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what, add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what, add it up, told it if it's all me, everything is on me, gon' back it up, matter what, told you I'ma do me, why you hating on me, it's not adding. Oui, Véronique, en fait, le live, il est à la fin, parce que j'ai lancé tout à l'heure. Et j'avais déjà parlé foot, j'avais parlé justement la liste de 23 de Corinne Diacre, j'avais parlé l'absence d'Amoroy, de Sandy Baltimore, d'Amandine Henry, et j'avais exposé pourquoi ils n'étaient pas là. Et, par exemple, Amandine Henry, peut-être que c'est un problème de forme, et que peut-être que... C'est aussi un souci qu'elle a avec justement la joueuse, enfin avec l'entraîneuse, enfin la sélectionneuse par rapport à ses déclarations de sa dernière non-sélection, que ça avait jasé. Il y a un petit peu de tout. Alors, Véronique, non, je vais pas arrêter la musique parce qu'en fait, ça, c'est la musique de fin de live, en fait. Donc, c'est mon petit rituel quand je finis le live en musique. Et voilà. On n'est pas là pour ça, mais moi, c'est mon kiff. En plus, c'est la chanson préférée de Sabrina. Bah, pour l'appel, j'allais en mettre que deux. Bah, du coup, je vais en mettre 3 sons. Et puis après, je vous dis au revoir. Comme ça, je mets 3 musiques.
swipe, 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 swipe. Swipe, 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 swipe. Just picked up some bands, come again, come again. They do what I do, I'm like Simon Says. Yeah, I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do, I'm like Simon Says. They do what I do, I'm like Simon Says. Simon Says, swerving, making plays, Ferrari red. Never out my zone, touchdown in my hands. Only fam around me, I can't have no friends. Had to cut you off, you left me out for dead. Ever since I was a teen, had prices on my head. Had to cut you off, you left me out for dead. They do what I do, I'm like Simon Says. Just picked up some bands, come again, come again. They do what I do, I'm like Simon Says. Yeah, I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do, I'm like Simon Says. Just picked up some bands, come again, come again. They do what I do. Point on the beat, ball point make them dance. Yeah. We came up from nothing, now we're making plans. Yeah. Just picked up some bands, just picked up some bands. Up some bands. Tell her, ask it questions, why I'm coming, why? On the run like a runaway. Only way is the money way. New chain, no jewelry. Yeah. No games, don't fool me. No. 21, been a boss. Play the game, pay the cost. Heard your rolly TikTok. What? Need to get another watch. Yeah. Just picked up some bands, come again, come again. They do what I do, I'm like Simon Says. Yeah, I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do, I'm like Simon Says. Just picked up some bands, come again, come again. They do what I do, I'm like Simon Says. La fin du love. Merci à tous d'avoir été présents. Ouais, mais tu sais, t'inquiète pas, il y a le et je vais peut-être, en fait, je vais faire une vidéo, mais je vais peut-être faire un live sur ma chaîne voyage parce que j'ai parlé de mes préparations pour l'euro et du coup, je vais peut-être faire un live. Je sais pas, je me tâte. Ciao! Bisous à vous! Ciao, ciao! Vive le Paris Saint-Germain! Je veux pas dire le Paris Saint-Germain! Et en plus, je me trompe à chaque fois! Parce que j'aime trop, en fait, dire au revoir en mode PSG, en fait. C'est un truc de ouf! Donc, merci à tous d'avoir été là sur le live! Je vous embrasse, portez-vous bien! Bisous l'équipe de France féminine! Et surtout, peace and love! Ciao!